One time! Bonjour à tous et très bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseils. Aujourd'hui, euh, trois conseils pour oser jouer devant quelqu'un. On va situer le, le truc, hein, c'est à dire devant quelqu'un, devant du public, euh, devant voilà euh, plus ou moins euh, grand monde. Euh, voilà, alors ça va être, ça va être, j'espère que ça va être assez intéressant. Euh, effectivement, on est tous totalement au début, en tout cas quand on n'a pas encore vraiment l'expérience de jouer devant du monde. On est vraiment tous euh, hyper euh, stressés, on a, on a souvent beaucoup de trac et au risque de perdre ses moyens. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc. Rassurez-vous. Euh, alors encore un thème qui, qui provient un petit peu de certains élèves, euh, parfois dans les, dans les feedbacks euh, VIP. On a des gens qui disent euh, vraiment c'est dingue ce, ce phénomène. Quand je joue tout seul, j'arrive à quand même à trouver de la satisfaction et à trouver à me trouver pas, pas mauvais quoi. Dès que je joue devant ma femme, devant un proche, devant des gens de ma famille et tout, euh, ou même en petit comité devant, devant des amis, je perds mes moyens. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, euh, alors, vraiment encore une fois, rassurez-vous, tout le monde passe par là euh, inévitablement, on va dire. Voilà. Alors, euh, donc conseil pour oser de jouer devant de, des gens, euh, bien sûr, bon, on estime qu'on a mis toutes les chances de son côté. Enfin, je ne vais pas dans cette vidéo vous vous dire de bien vous accorder avant de jouer. Bon, tout ça, on le sait. Euh, malgré tout, donc là, on, on aurait plus besoin de, de pistes un peu comme ça, de soutien psychologique pour savoir ben, comment sortir de, de ce truc-là. Voilà. Donc euh, voilà, ce sera plutôt des conseils psychologiques que des conseils techniques, euh, voilà, à proprement parler. Voilà. Donc effectivement, il y a plusieurs. Enfin, ça, ça va être à chacun euh, sa bête noire, si on peut dire. C'est-à-dire, il y en a, ça va être joué devant un proche, ça les, ça les, ça les liquéfie de, de, de trouille. Euh, D'autres, au contraire, vont se sentir plus rassurés devant les proches parce que, bon, bah, euh, il ils savent qu'il y a un certain soutien, euh, etc. Euh, donc, pour eux, ce sera peut-être plus le fait de jouer devant des inconnus, hein, euh, voire euh, euh, déjà quelques personnes. Fin, dès que ça, ça commence à ressembler à un public, Waouh, wow, comment je vais faire Je vais perdre tous mes moyens. En général, euh, ces craintes sont liées à deux trucs, vraiment, euh, les, les deux gros piliers de la peur de jouer devant quelqu'un, ça va être. En premier lieu, la peur justement de perdre ses moyens. Hein, et on sait tous que quand on, si on, on pense qu'on risque par la pression, on risque de perdre ses moyens, bah, effectivement, on, on risque d'en de, perdre un, un petit peu en tout cas. Donc la peur de perdre ses moyens est souvent qui est liée en fait à la peur du regard des autres, la peur du jugement. Hein, ça, c'est vraiment un truc, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont en penser Je risque de passer pour un, un as, hein, je risque d'avoir l'air nul. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est vrai, il y, y a ces deux points, d'accord Et moi, je dirais que ça commence quand même en tout, tout, tout premier point par le fait de se connaître soi-même, hein c'est-à-dire en tant que musicien, interprète, chanteur, musicien, bon, peu importe. Euh, c'est sûr que ça commence par avoir déjà une, une certaine notion euh, raisonnable hein, de, de dire, bon, ben, bah, en ce moment, j'en je, suis là, voilà. Alors, se connaître, c'est peut-être. S'être déjà enregistré, hein, s'être déjà écouté sans jouer, pendant que je, je joue pas, j'écoute ce que j'ai fait, et là, déjà, c'est un, euh, un premier point hein, qui, des fois, euh, euh, éclaire un petit peu euh, la personne. C'est-à-dire, il y, y a ceux qui vont se dire, euh, euh, les, les plus modestes, qui vont se dire Waouh, ouais, quand même, ça, ça donne quelque chose. Je ne pensais pas que c'était euh, pas mal euh, comme ça. Euh, J'aurais pensé que c'était pire. Très bien. Euh, il peut y avoir le phénomène inverse, bien sûr des personnes peuvent se dire. Euh, en s'écoutant ou en se voyant hein, filmé, pareil, peuvent se dire Oh là là, moi je croyais vraiment que ça rendait mieux, euh, c'est naze, c'est nul, je suis nul, et tout et tout. Voilà, alors ça c'est vraiment euh, à chacun son, son truc, mais donc effectivement, ça commence par ce premier point de savoir à peu près ce qu'on. Alors c'est pas, euh, pas du tout pour, pour comment dire, quantifier ça et commencer à se dire Oui, je vaux, je vaux tant et tout. En plus, tout ça c'est toujours très très relatif. Hein, on est toujours un éternel débutant, il y aura toujours plein de styles et plein de techniques euh, qu'on ne sait pas faire. Euh, non, de toute façon, euh, voilà. Mais donc, euh, c'est quand même de savoir se situer un petit peu. En gros, c'est de ne pas croire que on est sûrement un, déjà un méga niveau de pro, alors que non, en fait, euh, quand on se voit, on, on voit un amateur pour l'instant. Voilà. Donc, hein, savoir se, se situer un petit peu. Euh, pour déjà ne pas être déçu soi-même. Voilà. Si on, si on pense que on, euh, on est bientôt arrivé euh, toujours au niveau de du bon par exemple, on risque d'être déçu. Euh, on risque de se dire ah ouais ben non euh, finalement tiens il euh, y, y a tout qui accroche. Euh, je joue, euh, je suis pas encore pas encore fluide euh, et tout et tout. Voilà. Donc déjà se connaître et, euh, et alors oui dans se connaître finalement. Euh, ça, comment dire, c'est valable aussi pour finalement prévenir un petit peu les autres. Si vous invitez des, des gens ou si vous jouez devant des proches, alors ça peut être, je sais pas, à la fin d'un repas, on vous, euh, on vous dit tiens, je joue nous un truc et tout. Alors d'ailleurs ça, ça peut être le, le truc hyper flippant. Hein. En général, on vous tend la guitare, oh je joue nous un truc. Voilà, alors ça il n'y a pas pire. Quand on est, euh, on est pris un petit peu au dépourvu comme ça, on s'y attend pas. Bon, ben bah souvent déjà on a la page blanche, c'est-à-dire on se dit oh ouais mais vraiment je sais pas quoi je sais pas quoi jouer là vraiment voilà et c'est vrai que c'est terrible de répondre à cette demande on imagine que hein, tous vos potes savent très bien que vous faites de la guitare et là ils se disent ah oh, on va enfin le, hein, on va enfin l'écouter et tout depuis qu'il nous dit qu'il fait de la guitare en plus ça doit, wow, ça, doit ça doit sonner alors c'est vrai que voilà, ça ça peut foutre la pression alors petite parade à ça si on veut relativiser tout ça et finalement alors je ne vais pas dire mettre les gens dans sa poche, mais on a le droit, sans se justifier de, de long en large, on a quand même le droit de, de situer les autres aussi. De dire oui, je vous ai dit que, que je jouais de la, de la guitare, mais attention, je, je débute encore. Finalement, en, en ayant juste dit ça, en disant ouais, je débute encore, ou euh, pour l'instant voilà, ça, ça va à peu près, mais j'ai encore plein de trucs à, à voir. Bon, déjà, on voit que vous êtes plutôt quelqu'un de, de modeste. Et que vous n'allez vous pas vous la, vous la donner comme ça en spectacle, euh, genre attention, c'est moi qui, qui, qui arrive, euh, je vais tous vous mettre par terre. Voilà. Donc c'est important de mettre tout le monde, je dirais, un peu dans la confidence de oh, je débute. Ou euh, si c'est vous avez invité des gens, donc vous avez un groupe avec des potes, vous avez invité des gens, bon ben là c'est pareil. Si vous savez que vous êtes plutôt dans un truc amateur et que vous faites ça pour s'amuser, pour vous amuser, c'est aussi bien de le dire aux gens que vous invitez. De dire oui, on fait ça avec des potes, c'est pour s'amuser, on se prend pas au sérieux. Bon. Déjà, ça, ça enlève pas mal de pression. Le cas contraire serait par exemple un groupe qui fait qui, vraiment un groupe amateur, toujours, mais par exemple un groupe de lycée aussi, qui ferait sa grosse pub dans tout le lycée. Hein, donc il va voir les 1200 élèves du lycée. Euh, ouais, venez euh, samedi, on a, on a réservé la salle des fêtes, ça, ça va être blindé, euh, ça va être une tuerie, euh, on va foutre le feu. Euh, ce sera plein, hein, on sera 800, il y, aura, il y aura au moins 800 personnes et tout. Alors, ça, si on démarre une communication comme ça et que donc on se fait une méga pub euh, voilà, pour son premier concert par exemple, là il y a moyen de se mettre la pression tout seul. Hein, C'est-à-dire que finalement vous n'avez pas adapté le contexte, au contraire vous, vous avez promis des, des, des choses euh, dingues. Et là, peut-être bien que le jour J, euh, 10 minutes avant de monter sur scène, déjà quand vous allez voir qu'il n'y a pas 800 personnes, mais ils, sont, ils sont 12, et que euh, voilà, et, et que ces personnes-là, je ne dis pas qu'elles vont être automatiquement déçues, mais si elles s'attendaient à voir un méga concert plein, euh, un truc brûlant comme on leur a dit, et effectivement, euh, voir 4 lycéens qui regardent leur, un peu leurs chaussures, euh, ils sont tout gênés d'être là et qui jouent peut-être pas en place, ça... Alors, ils seront toujours là à vous soutenir quand même. Il y aura toujours un peu d'entrain, de, mais en fait, c'est à, à, à vous de pas trop 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 en promettre comme ça. Sinon, euh, effectivement, vous, en fait, vous serez déçus pour les gens presque. Vous, vous direz merde, pourquoi on est a... mince Pourquoi on a dit tout ça euh, euh, C'est terrible. C'est vrai qu'on n'est toujours pas euh, les Hot, On n'est toujours pas euh, Foo Fighters. Voilà. Bon. voilà. Donc, je dirais en tout premier conseil, donc dans la hein, dans la rubrique. Se connaître, savoir à peu près où on en est en, en ce moment, finalement, c'est aussi adapter le contexte. Voilà, donc ne pas promettre euh, mons et merveilles, euh, plutôt donc faire sa com, parce qu'il faut quand même faire sa, sa pub, faut, faut faire venir du monde, mais donc raisonnable en disant ouais venez nous soutenir, euh, on démarre et tout, mais il y, bon, y a des bons trucs quand même. Euh, voilà, on reste euh, modeste pour donc ne pas se mettre la pression tout seul en en ayant trop, euh, trop promis. Alors j'arrive au deuxième point, qui effectivement, euh, donc ce deuxième point qu'on a déjà évoqué à l'intro sur la peur de perdre ses moyens. Alors, ça c'est vrai qu'il y a presque un, un cercle vicieux là-dedans, c'est-à-dire qu'en ayant peur de perdre ses moyens, finalement on se conditionne avec, tiens j'en étais sûr, euh, voilà, j'y euh, arrive plus du tout. Voilà. Alors, ce truc, euh, quand même, on va dire qu'en amont, euh, effectivement, quand on n'a pas l'habitude de jouer devant quelqu'un ou en public ou, ou carrément sur des, des grandes scènes, euh, effectivement, on va perdre un petit peu à cause du, de, de l'appréhension, du trac, on va perdre un petit peu quelques capacités. C'est normal. On va être en général un petit peu déconcentré. Voilà, ça c'est tout à fait normal que pendant qu'on joue, euh, on pense aux personnes qui sont peut-être dans la salle, on se demande si un tel, si un tel ou que pense euh, truc. On est en fait un, déjà un petit peu déconcentré. Ce qui est tout à fait euh, normal. Voilà. Donc pour faire avec cette déconcentration et ce trac qui, qui donc nous, nous pénalise, nous handicape un petit peu, euh, il faut donc le remède serait d'avoir pas mal préparé le coup en amont. C'est-à-dire euh, là je vous renvoie un petit peu au même conseil que pour euh, vaincre la peur de se filmer. Vous savez, j'avais fait un tuto de, de conseils sur oser se, se filmer ou s'enregistrer. Bon, là c'est un peu pareil, c'est-à-dire on sait qu'on va perdre des moyens donc par le trac et la, la déconcentration. Alors autant rabâcher vraiment, vraiment super bien, c'est à dire vraiment avoir très, très bien travaillé toutes les figures sensibles. Hein. Tout ce qui vous paraît un peu délicat dans un morceau, bon, bah, finalement, il vaut mieux axer le boulot là dessus pour vraiment essayer de, de tuer le problème et de commencer à, à finalement à atteindre un stade de répétition où on a les, les morceaux qui viennent comme ça automatiquement. Voilà, donc ça ce serait mon deuxième conseil, que ce soit pour jouer de, devant une, vraiment carrément euh, enfin, sur scène ou devant deux trois personnes, évidemment c'est beaucoup mieux de, de jouer quelque chose que vous pensez maîtriser quand même. Hein, Peut-être euh, n'allez pas jouer le titre euh, que vous réussissez une fois sur, euh, sur 10 en ce moment, euh, même tout seul, j'entends je, par là. Prenez des valeurs sûres, prenez des, vraiment des chansons où vous êtes en fait déjà en automation. C'est-à-dire, ça fait longtemps que celle-là, j'arrive à la jouer, je, je réfléchis pas quand je la joue. Ce truc-là vous permet donc d'être disponible pour l'interprétation. Hein, euh, voilà, c'est très très important parce que si vous êtes effectivement euh, euh, tête dans le guidon en train de faire super gaffe, est-ce que je vais euh, rater ce truc-là Déjà, il y a, oui, il y a des chances de, de le foirer un petit peu. Et puis finalement, pour le public, c'est pas, pas hyper euh, détendu de voir un interprète euh, crispé, stressé et super fermé, c'est-à-dire comme ça, euh, tête dans le guidon, le, le, vraiment la tête en bas, je ne regarde plus du tout euh, les gens, voilà, alors je dirais que l'attitude évidemment euh, la meilleure c'est de, de rester concentré quand même, hein, parce que faut, faut quand même savoir toujours ce qu'on est en train de faire et ce qu'on va faire ensuite aussi, euh, mais concentré mais détendu, voilà, c'est-à-dire pas crispé, tête dans le guidon, ou ça y est je suis, euh, je suis tout seul, ouais parce que bon, on connaît, hein, le, les défauts de la déconcentration, bon, bah, ça, peut être, euh, ça peut être, carrément d'oublier de, de, un passage, de faire des pains de, de structure, euh, voilà, des choses comme ça. Euh, le track, c'est pareil, voire, voire pire. Hein, le track, ça, ça fout oui. les mains, les mains moites. Euh, ça, ça, peut, ça, peut, faire oublier euh, les textes, enfin les paroles, quoi. Il hein, y a pas mal de chanteurs euh, qui, euh, quand ils ont euh, le track, bah, ils ont des, des trous, voilà. D'un coup. Euh, plus de texte. Le track aussi euh, donne tendance des fois à jouer trop vite. On peut carrément expédier les, les titres euh, un peu comme si inconsciemment on était pressé de partir de scène donc euh, pouf, voilà ça c'est fait hop et on a joué trop, trop vite le morceau. Donc voilà euh, le track va risque d'abîmer quand même pas mal euh, l'interprétation. Donc bon voilà pour finir avec ce deuxième conseil, autant jouer des, des choses très très euh, rabâchées là euh, faut le dire. Hein, le travail a vraiment vraiment son, son importance. Donc, pour, pour être finalement, pour avoir le confort de bon, bah je, je suis disponible pour l'interprétation, je peux relever la tête, je ne suis pas tout le temps obligé de regarder par exemple mes accords, et euh, voilà, et j'ai moins peur du regard des autres, puisque je, je, c'est logique, hein, je joue des choses que j'ai quand même travaillé, donc des choses qui sont plus ou moins fluides ou carrément automatisées. Hein. Quand on est au stade automatisme, bon, ben bah là on peut interpréter et on a, on a déjà beaucoup moins peur. Voilà, donc ça c'est quand même le deuxième conseil, avoir beaucoup pratiqué, avoir vraiment, vraiment bien bossé les figures sensibles. Bon, puis voilà. Après, bon, euh, si on fait un, un pain, hein, de, de, devant donc peu importe le nombre de personnes, en réalité c'est pas très grave. C'est-à-dire que souvent, faire un pain, euh, ça nous pourrit nous-mêmes, enfin, ça, 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 pardon, ça, ça nous détruit un peu le moral sur le coup, on se dit hey, « voilà, j'ai encore fait un pain !» Alors que d'abord les gens s'en foutent, ils vont pas arrêter de vous soutenir parce que vous avez fait un pain, genre, ah bah non, je change de poulain, voilà, lui il fait trop de pain, non, je l'encourage plus. C'est idiot. De la même façon que tout ce qui peut être un peu accident technique, des fois on est en train de jouer sur scène, on pète une corde. Bon. Pareil, moi quand ça m'arrivait, ça me rendait malade. Je me dis, je me dis, voilà, t'as foiré. Les gens, en fait... Les gens adorent ça. Quand vous êtes sur scène et que vous pétez une corde, ça fout le feu. En fait, les gens sont hyper contents parce que waouh, voilà un événement live. Et tiens, il a pété une corde. Comment il va faire maintenant Alors, c'est là que si vous vous démontez pas et que vous continuez le titre jusqu'au bout, c'est la vie. Voilà, c'est le live. Voilà, il y a une corde qui pend des fois. Bah, c'est la vie. Et en fait, euh, si vous faites ça, que vous terminez le titre sans vous démonter, bah, vous avez euh, finalement vous, vous récoltez vachement de, de respect et de, de soutien. Hein, donc, euh, ça plaît, voilà, c'est comme le batteur qui casse une baguette ou qui laisse euh, échapper une baguette. Euh, bon bah, c'est les, les aléas du, du concert. Il ne faut pas croire que les gens vont, vont repartir avec un, un jugement, oui, euh, c'était pas pro, euh, il, a, il a cassé une corde. Au contraire. Au contraire, il va dire, ils vont dire euh, ils ont continué alors qu'il pleuvait, euh, alors qu'il a pété une corde, alors euh, à un moment le chanteur est tombé euh, par terre et tout, euh, euh, rien à foutre, euh, il, a, il a il a continué. Ben bah, oui. Et c'est exactement ça. En fait, comme je dis souvent, en interprétation, donc sur scène ou devant un petit comité, c'est pareil, il est trop tard pour avoir peur. Voilà, donc on a voulu euh, faire de la gratte, on a voulu apprendre des chansons. C'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir euh, les jouer, enfin on va nous demander de les interpréter. Hein, euh, et donc euh, bah, c'est le moment. Voilà. C'est le moment d'assumer ce qu'on fait et de se dire, bon, ben, bah, moi, ça me fait quand même plaisir de le faire. Et euh, ben j'espère qu'on va m'encourager, j'espère peut-être aussi de donner du plaisir aux autres. Voilà. Alors, ah, j'avais oublié de dire un truc tout à l'heure quand même. Dans le, le point numéro 1, dans se connaître soi-même, ne pas trop en promettre aux autres, effectivement, il y avait aussi, au besoin, ça peut, ça peut être bien aussi, d'inviter les autres à participer. Ça, je vous garantis que ça, ça enlève pas mal de pression aussi. Euh, si au lieu que tout le monde soit là euh, à vous regarder vraiment comme ça. Euh, Finalement, vous, te, vous filez une percue à quelqu'un, vous proposez à, à d'autres personnes de chanter. « Tiens, mais vous ne voulez pas la chanter avec moi ?» Enfin, ou pas avec moi, mais carrément. « D'accord, mais je fais la guitare, mais vous, vous, c'est vous qui chantez. Allez, vas-y » Donc, dans un truc déjà comme ça, plus, hein, vous, vous avez compris, plus convivial, plus collectif, euh, on intéresse donc les gens au truc, on leur suggère de participer. Et déjà, ça, ça nous déleste un petit peu d'une peur. Hein. Et pas pire que les gens vraiment bras croisés, euh, ambiance euh, mouche qui vole. Voilà, forcément, donc, dans adapter le contexte, il y avait, euh, il y avait tout ça. Hein. Ne pas se faire passer pour une star et en même temps. Bref, donc voilà. Alors, pardon, j'en étais au point numéro 2, mais j'avais à peu près terminé. Hein. C'est-à-dire que oui, il faut avoir évidemment bien, bien, bien euh, joué, euh, bien, bien euh, travaillé les trucs, de façon à pouvoir les jouer par cœur. De hein, ne plus avoir cette, cette, ce besoin de réflexion. Voilà, comme ça on n'est plus disponible pour jouer pour les autres. J'en arrive à mon troisième point. Alors, le troisième point, on disait tout à l'heure, hein, finalement, une des grosses angoisses aussi, c'est les autres, le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser Ça, c'est vrai que ça, ça, ça nous hante. Alors, je dirais que pour ça, euh, en fait, si on commence à se poser cette question, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Et, euh, et on pourra jamais y répondre, c'est-à-dire qu'en fait, euh, à moins de faire un sondage, de, 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 vraiment de, de faire un questionnaire à chaque personne qui rentre dans la salle, « Oui, mais toi, c'est quoi tes goûts et Tu connais quoi et Tu as quoi comme, comme culture Quelles sont tes références ?» Bon, ben non, j'ose pas jouer devant toi. Hein, bon, donc... Alors, d'abord, ça n'a ça pas lieu d'être, ce serait complètement débile, on, on va plutôt partir du principe que les gens qui viennent vous voir, a priori apprécient ce que vous faites, et Alors, ça n'empêche pas d'avoir le trac, mais... Quand même qu'ils viennent pas en, en juge arbitre comme ça, intraitable. Euh, non, voilà, a priori, euh, ils sont contents de venir vous voir. Déjà, premier point. Mais surtout, je, je dirais que si on commence à être soucieux du regard des autres, euh, on ne s'en sortira jamais, puisque finalement, il y a toujours meilleur que soi. Soi-même, on peut être très perfectionniste, même trop. C'est-à-dire, on peut se fixer un... un un niveau euh, vraiment euh, qu'on n'a pas encore et donc se dire oui mais euh, je suis pas prêt et eh oui et alors le je suis pas prêt peut durer toute la vie comme ça hein, on peut se dire bah oui mais moi tant que je joue pas comme euh, Steve lucater euh, je suis pas prêt bah ouais mais bon c'est dommage tu, tu feras jamais de concert euh, c'est bête alors c'est bête surtout que ce truc de finalement de bon niveau moyen moyen niveau il est totalement subjectif vraiment ça va dépendre des personnes c'est à dire que hein, ça c'est très 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 relatif pour, pour des gens euh, une brute c'est un guitariste qui arrive à jouer je sais pas moi un solo finalement tout simple pour vous et euh, inversement bon bref donc voilà euh, ça ça veut rien dire on sera jamais le meilleur ni d'un style ni d'un instrument alors encore moins euh, donc voilà il y aura toujours meilleur que soi etc donc plutôt que d'essayer de, de vraiment de de plaire à tout le monde avec ce truc, avec la, la rate au courbouillon, en se disant oh ouais mais il y aura toujours quelqu'un qui n'aimera pas et qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont penser. Mon conseil numéro 3 là-dessus, la, la solution, c'est, je suis désolé, mais c'est s'en foutre de ce qu'ils vont penser. Voilà. Essayez de s'en foutre du regard des autres. Et oui, parce que je vous dis, c'est un problème infini. Si on est là-dedans, il y aura toujours un, un mec plus noble ou meilleur ou euh, qu'un qu jugement comme ça, euh, intraitable. Et euh, effectivement, bah, à la limite, on s'en fout de lui aussi. On s'en fout du, du mec qui a un jugement comme ça hyper pointu. Euh, voilà, peut-être qu'on ne fait pas de la musique pour convaincre ce mec-là. Voilà, donc vraiment, ça va être très important. Alors, ça peut être un peu insolent de dire, euh, euh, on s'en fout, donc euh, mon conseil, c'est de vous en foutre euh, du regard des autres. Bon, pas, pas aller trop loin. Je vais surtout le formuler autrement, je vais dire, le plus important, c'est que ça vous plaise à vous-même. Voilà. Effectivement, si vous regardez la vidéo du concert après, après coup, et que ça vous paraît vraiment, vraiment, vraiment naze, bon, là peut-être que vous en tirerez la leçon de bah oui, en effet, tiens, pour l'instant, finalement, on arrive au point numéro 1 de tout à l'heure, il fallait s'accepter, se situer, se connaître. Bon voilà, peut-être que si la, la vidéo du concert vous paraît naze, bah, ça voudra dire que vous ne vous connaissiez pas encore bien. Et qu'aujourd'hui, bah, voilà, il faut accepter sa, sa position, hein, comme je dis souvent aussi, euh, la position de son niveau actuel. C'est-à-dire, euh, voilà, on a voulu faire un concert. Bon, bah, pour l'instant, nous, ou moi tout seul ou peu importe, devant des gens, euh, à ce stade de travail à peu près de, je sais pas quelle fréquence. Euh, bon, voilà, ça fait deux mois qu'on travaille chaque chanson. Peu importe. Pour l'instant, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment. Euh, voilà. Alors, soit vous êtes déçu de ce que vous voyez, mais à la limite, c'est pas grave, ça fait progresser. Tant mieux, finalement, si ça vous plaît pas, ça veut dire que ah, la prochaine fois, ça faut que ça nous plaise. Donc, il y a des progrès à faire. Oui, toi, tu as fait un pain à la batterie à cet endroit-là. Ouais, il faudra rebosser. Le... Moi, j'ai oublié ma structure. Ah. Bon, voilà. Donc, la prochaine fois, ce sera mieux. Déjà, premier truc. Et donc, il y a aussi le cas où vous regardez le concert, et là, ça vous plaît. Bon. Alors, quand ce que vous avez fait vous plaît, hein, que ce soit un enregistrement un concert ou même un petit jam euh, après comme ça euh, voilà en soirée comme ça si ce que vous avez fait vous plaît ne cherchez pas plus loin on s'en fout donc de celui à qui euh, oui mais il euh, y a encore un mec qui trouve à redire mais on s'en fout puisque ça vous plaît à vous voilà voilà donc ça c'est le seul moyen de s'en sortir c'est c'est de dire bon ben bah, peu importe ce que ça vaut dans l'absolu moi j'assume et j'apprécie euh, à peu près ce que j'ai fait, voilà. Oui, là, il y a encore de, un peu de trucs à, à bosser, mais là, quand même, ça va, Alors, sans forcément avoir les, les, les chevilles et se dire « waouh, c'est chanmé ce qu'on a fait ». Voilà, en tout cas, accepter ce qu'on a, qu a fait, trouver, y trouver des, des, bons, voilà, des, des bons points, euh, avoir pris du plaisir à le faire, euh, tous ces trucs-là euh, vont faire tomber donc, euh, la pression et vont vous, vous libérer euh, de ce, ce, ce souci euh, tout le temps du jugement et, et du regard des autres. Voilà, donc euh, on a terminé à peu près cette vidéo de, de conseils. Bon, je suis toujours un peu bavard, pour seulement pour trois conseils en plus, c'est vrai que... Mais bon, voilà, le conseil numéro 2, ne, ne l'oubliez pas, vraiment, c'est vrai quand même, malgré tout, qu'il n'y a que l'habitude du live, hein, de la représentation devant quelqu'un ou quelques-uns ou euh, un grand public, il n'y a que l'habitude qui fera tomber le, le problème. Et ça, c'est vrai que oui, c'est encore un truc à banaliser. Hein. Donc, c'est vrai que si on fait une date par an, ben, on sera tout le temps tendu avant le concert. Maintenant, si ce, ce sont des chansons qu'on qu a l'habitude de jouer souvent et qu'on commence à se produire, je sais pas moi, une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les quinze jours, là, je vous garantis que on va commencer à dompter. Le, le, le trac voilà vraiment, parce que ce sera des, des, des terrains connus et on aura déjà surtout connu ce truc là de au début, je me décompose devant des gens, bon, au deuxième, troisième concert, déjà un petit peu moins, etc. Et à un moment, je vous garantis qu'on peut monter sur scène comme on, on rentrerait dans une boulangerie euh, acheter une baguette de pain. Voilà, je vous souhaite de bonnes réflexions sur ces, euh, ces points là. N'hésitez pas à échanger, hein, à, à poster vos commentaires, à, à témoigner, peut-être à, à soulever des points euh, que j'ai oublié d'aborder, hein, aux, auxquels pas, je n'ai pas pensé. Euh, N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne YouTube de Ma Guitare. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne guitare et bon concert à tous. One, two, three, and...